Et tout le monde est position de chauffer, ma maman. Et tout le monde est en chemin, ma demande, c'est le côté, maman. Tout le monde est position de chauffer, mon cas. Pause, pause. Attends, non. J'ai commencé à briser la banane depuis 2017. 2017. Oui, j'étais en chômage. OK. Donc, j'ai cherché une idée et j'ai trouvé cette idée pour essayer. Je suis venu aux besoins de ma famille. Pendant que je bro, mal au côté dodo, réveille, tu follow tes potos pour aller au ghetto, juste pour parler. Maintenant t'es allé, tu n'oses pas les parler. Haï, miaoua. J'ai la darante au bar, si tu réveilles, les bambins, t'es en train qu'elle va te. Soit qu'on peut. Vraiment. Aujourd'hui, c'est la dernière. OK. C'est la finale. Oh. Est-ce que vous êtes prêts pour faire le show? Mais attends. Aujourd'hui, je vous sens comme ça, quoi. Mais vous voulez faire le show, je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que c'est la dernière. Pourquoi en as-tu triste? Oh. Oh là là. Oh, oh là. Pardon, vos bas de fâché. Oh là. Pardon, vos bas de fâché. Ça, ça l'en veut mettre dans ton visage. Yeah! 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 Ça profite. Aujourd'hui, elles sont deux, comme d'habitude. Elle est là, elle est tout en vert, avec des couleurs florissantes qui sont à gauche, à droite. Oh! Bon. Maintenant, elle, c'est mon amour. Ma préférée, hey, ma dulcinée, hey, oh là là, Jésus, son excellence, Jésus, mon amour, hey, qui vient oui, comme le soleil oui, qui se lève ah, la nuit, ah, le jour, ah, oh là là, Jésus, yeah, yeah. Donc, on casse tout avant de partir. Franchement. Même ça. Ça fait tout ça, on va casser aujourd'hui. On peut tout casser. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Aujourd'hui, on vous a fixé un rendez-vous pour voir si ce qu'on a fait pendant les 2 mois, ça vous a plu ou pas. Ouais. Donc, c'est le show que vous allez faire ici qui va permettre aux uns aux autres, à tous ceux qui sont à la maison, qui sont partout en Côte d'Ivoire, pour savoir si pendant les 2 mois, on vous a ennuyé ou bien on vous a enjaillé. Exact. On est d'accord? C'est ça. Non, il est sympa. On est d'accord? Alors, pour faire cette finale, on a des invités spéciaux. On a des invités qui font des choses que moi-même, j'ai jamais entendu parler. Voilà. Le monsieur qui est là maintenant, que vous allez découvrir,
c'est quelqu'un qui est dans l'événementiel. Mm. Quand il touche à quelque chose, ça devient beau. Quand quelque chose est bizarre qui met ça dedans, ça commence à briller en même temps. Quand vous regardez dans la salle ici, là, il y a sa touche qui est là. On va accueillir ensemble. C'est un vieux père, mais c'est un choco dans le même temps. Il arrive, il s'appelle Mr. Reda. Bravo! Yachou. Oui. Yachou. Oui. Yachou. J'ai eu la même idée. Yachou. La même idée. Yachou. Attends, tu as pris ta valise, c'est quoi? La même idée. On s'en va. La même idée. Parce que je me suis dit... On s'en va. On s'en va. C'est les vacances, oh, on s'en va. Oh, on s'en va. On est vagé, oh, on s'en va. Attendez. On s'en va. Vacances est fini, on s'en va. On va aller pas là. La question, là, on ne va pas s'éloigner. Oui, je suis votre invité, oui, oui. Yasmine Reda. Oui. Hmm? Reda Fawaz. Oui. Ça que s'est-elle passé? Oui. Ça vous dit rien? Si, si. Les vous, 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 vous. D'abord, je suis pieds nus parce que c'est les vacances, les colonies de vacances. Mon mari est venu pour raser son go. J'aimerais pour une toute première fois vous présenter mon cher époux, Monsieur Reda Fawaz. Bon. Et comme nous sommes en Afrique et que la polygamie existe, mon deuxième époux que j'avais pour les vacances. Ben, en vacances, c'est ce que tu fais là, c'est pas si quoi dans ton dos, c'est sur terrain libre. Terrain net, non? Maman, le propriétaire est venu, il faut pas aller voir. Aujourd'hui, aujourd'hui, un cadavre va mourir. Aujourd'hui, un cadavre va mourir. Aujourd'hui, un cadavre va mourir. Il va pas mourir. Quelqu'un ne peut pas s'occuper de quelque chose d'amis pour vous mourir. Merci beaucoup pour arriver, monsieur Reda. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi aussi, je suis très ravi. Oui. C'est moi le cadavre aujourd'hui. Hein. Non. C'est que si c'est Yachou qui va décider qui est cadavre, qui est cadavre. On nous a dit, enfin, on m'a dit que vous êtes styliste d'événements. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, styliste d'événements, c'est-à-dire ça regroupe beaucoup de talents. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je suis styliste d'événements, donc créateur d'ambiance, décorateur, fleuriste, designer en haute couture. Mm-hmm. Wedding et event planner et parfumeur. Bon. Salut, gars, chez nous là, on vend pas, on a pas faim. Chez nous là, on peut faire mariage. Chez nous là, on peut décorer. Chez nous là, réception, on a fini ça. Chez nous là, beauté, ça doit chez nous. Vas-y, dis quoi. Bon. Ça veut dire que finalement, vos deux sociétés là, vous avez fait en sorte qu'on ne peut rien faire sans vous. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Baptême, vous êtes là. Anniversaire, vous êtes là. Non, mais y a nous, on fait tout. Vous faites tout. Tout. Décoration, tout. Vous avez des mannequins, tout ça. Tout. Attends, vraiment. Moi, je suis curieuse de savoir et, comment... Et la petite surprise, c'est que vous voyez ça. C'est M. Reda qui l'a fait. Tout le décor sur la table, tout. Toute la déco, en fait. Toute la déco, c'est lui. Il a dit qu'il va nous faire ça cadeau pour la fin. Parce qu'on a trop souffert, on a trop souffrance, on a trop chauffé. On a eu la tort. Donc, il était important qu'on a qu'à shine un peu. Mais je vous ai mis un bateau. Oui. Pour aller en vacances. Ah, oui. Un autre bateau pour aller en vacances. Le bateau, c'est pour aller en vacances. Yalla, on va partir en vacances, toi et moi. Yalla, vous, on va partir Yalla, en vacances sans moi. Tu ne mangeais pas shawarma, toi. Yalla, votre bateau, je vais monter en bas. Aïe. Alors, on va rester dans la même mouvance. Celui qui va venir, lui, il est jeune. Oui. Il est jeune. Oui. Il est frais. Si. Il est gnon. Chic. Il est mignon. Intéressant. À toutes les gosses célibataires d'ici et d'ailleurs, apprêtez-vous. Mais c'est un garçon sérieux. Voilà. C'est un garçon sérieux. Si. Lui, il n'est pas dans les trucs. Il arrive. Et on accueille maintenant l'homme qui vient par le nom de Mary.
Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Bon arrivé champion. Merci. Bon, maintenant tu es dans quel groupe? Tu es dans ici ou bien tu es là-bas? Toi, 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 Yassou. Je suis le père et la mère. L'enfant du sang, du vent de la mer, ne peut que donner un artiste magnifique et beau. Oh, 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 oh. Mon fils, mon premier fils. Bon. C'est un Redachou. Il ne peut même plus m'asseoir. Yassou, assieds-toi un peu, ça fait rien. On a problème, on est entouré de Reda. On est entouré de Reda aujourd'hui. Donc, tout sera Reda aujourd'hui. Reda, on est fort dans la rédaction. C'est vous êtes des rédactions. Oui, rédaction. D'accord. Reda Chou. Reda Chou, je. Redimensionner les choses. Alors, Mehdi, comment vas-tu? Ça va, merci. Ouais. Mehdi, toi, tu es dans le son. Exactement, dans la musique. Dans la musique. Donc, pour permettre aux gens qui sont là de savoir à qui il s'agit, on va directement, même si c'est la totale aujourd'hui, c'est la fin, on dit voici le Mzassal. Tu vas partir loin d'ici, moi. Si tu veux, vas-y, suis-moi. Dis-moi qu'en est-il, babe. On s'était dit qu'on s'aimerait pour la vie, mais tu restes indécise. Faut que tu prennes une décision. Baby, so boring. À te chercher de l'heure, on a fini par se détruire. On peut ressembler à cet Américain là qui vient de Montréal sans dire son nom. Ce grand artiste qui est aimé de tous. Eh hey, Dieu! Bébé, tu sais, quand je t'accouchais, j'ai prophétisé sur ta vie. Mm-hmm. Et c'est la prophétie là qui a accompli comme ça. J'aimerais savoir ce que tu as vu. Chérie, l'enfant même est étonné de son accouchement. Lui-même, il regarde la personne qui l'a accouché, il dit ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 j'aimerais bien comprendre. Oui, on dirait. Oui. Bon. T'as vu les gens. Alors, Mehdi, on est arrivé chez toi. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est un single. C'est mon premier single. Oui. Et mon premier projet professionnel. OK. Le premier single et le premier projet professionnel. Il est sorti quand? Il est sorti il y a 3 semaines. Juste 3 semaines? Juste 3 semaines. Oh, c'est ah, donc nous, on a une exclusive. Et la petite information spéciale que vous devez savoir, c'est que voici le père et voici le fils. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir causer bien avec la famille Reda, la mère, le père, le fils, sans oublier le Saint-Esprit. Je savais. Le Saint-Esprit. On va aller directement dans Top ou... Yeah. Bon, prenez vos panneaux solaires. Enfin, pour ceux qui en ont. Panneaux des vacances. Alors, j'ai peur, mais je sais pas si j'ai dit mes plumes. Aujourd'hui, dans le Top ou Flop, on va parler d'émissions de vacances. Vous le savez, on est resté avec vous pendant 2 beaux et longs mois. Long, ça dépend, hein, je sais pas, parfois court, je sais pas, c'est tellement vite passé. Ouais. Donc, on est resté avec vous pendant 2 mois. Et aujourd'hui, dans le Top ou Flop, ma question, c'est de savoir, la télé d'ici, vacances, selon vous, ça a été un top ou ça a été un flop? Soyez sincères, si c'est flop, dites la vérité. Si c'est top... Si vous pensez que pendant 2 mois, là... On a assuré. Sauter qu'on a sauté ici. Tomber qu'on est tombé ici. Parler qu'on a parlé ici. Danser qu'on a dansé ici. Vous qu'on a vous ici. Téléphone qu'on a téléphoné ici. Le chien qu'on a semé ici. C'est top ou bien c'est flop? C'est top. Combien c'est fou? On vient regarder vos panneaux, vos différents panneaux. Oh, ils sont cute! Et, est-ce que tu regardes ton panneau? Oui, ça flop. Oui, ça flop. C'est parce flop. Que ce que Moussango m'a montré, si c'est flop. Hey, Yasmine, flop! Elle n'est jamais contente. Nous deux, voilà. Son fils même dit, elle n'est jamais contente. Elle n'est jamais contente. Hey. C'est celui qui a dit. Qui pense tout le temps? Non, pardon. Non, mais attends. Bon, on garde le panneau en main. On va faire quelque chose. Voilà. On garde le panneau en main. Ouais. Pendant cette édition de Télé d'ici vacances, il y a une rubrique spéciale que vous avez aimée qui s'appelle Les enfants là dansent. L'enfant là danse. Et l'enfant là a dansé sur une musique spéciale d'un artiste qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire. Il est avec nous ce soir. Obam, c'est là! Oh, Marzo!
Yachou. Salut. Ça va, chérie. Salut. Mauvais Zango. Yo, propre. Des fois, on prend le mérite. Non, t'as voilà. Monsieur voilà, prends, maintenant, prends. Maintenant, là, on a égalité. Il y a un peu de cheveux sur la scène, mais sur le plateau. Il y a un peu de cheveux sur le plateau. Il y a un peu de cheveux sur le plateau. À trois mots, là, me faire un truc bizarre. C'est que par derrière, il y a une fonte. Non, c'est que les enfants, là, regardent derrière, c'est pas bon. Attends, on n'a pas un pain qu'on va te donner, tu as attaché derrière. Non, c'est bon, il n'a qu'à regarder ça. Fait. C'est pas bon. Ça, c'est beaucoup. Non. Ah, donc, ça va, ça va. Obama, tu viens d'arriver. Oui. Bonne arrivée. Merci. Tu tiens le truc. Est-ce que l'émission qu'on a fait pendant 2 mois, là, c'était top ou bien c'était flop? Donc, tous les panneaux qui sont en main, là, si tu penses que c'était oui, bien, tu montres non, ça. Chic, si tu penses que c'était pas bon, tu montres non, ça. Il va avoir son impression. Bang, bang, musique de fond, musique de fond. Tu vas au milieu aussi. Voilà. Si, il y a Pou. Oui. Et lui qui OK. On regarde maintenant. Comment tu dis quoi? Bien, il y a une surprise pour vous. Yeah. On n'a pas entendu. Au revoir, là. Merci beaucoup. L'émission là c'est doux. Quand les gens font, ils ne veulent pas que nous aussi on a qu'à fond. Voilà. On était sur le plateau ici, j'avais mon amour. Un coup mon amour venait avec son mari. Que mèche tu fais donc? Alors moi aussi j'ai fait une importation sans cheveux et on a équilibré. Obama, c'est là, et pour vous permettre de vous plonger dans tous les sons, les tubes qu'il a fait, parce que vous savez, les gens comme Obama, là, tubes là, ils font tous les jours. Quand il dort, il fait. Il se lève le matin, il fait. Quand il est fâché, il fait. Il n'est pas content, il n'est pas d'accord, il est fâché. Il se fâche. Mets-le, Obama. Deuxième verre, troisième verre, c'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux, c'est doux, c'est doux. Ça prend pas. Ça prend pas, ça prend pas, y'a dit dis-moi est-ce que ça prend pas. Ça prend pas, ça prend, ça prend pas, ça prend, ça prend pas, hey. Beyoncé, Beyoncé. Oh, ma chaîne pue. Beyoncé, 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 Beyoncé. Yeah, à la fin de ta chica, ta chica, ta chica. She gon' my terre, 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 she gon' my terre. Et puis nous, on va pas rien d'Obama. Non, mais elle se disait que mon fils même a fini ça à la maison. Hein. Pardon? Ça, c'est son dos. Il a pris ça sur son dos. Il n'aime pas rentrer dans la cuisine. Et puis, il faisait chewing-gum dans ses reins. Donc, ça, ici, mais, il doit venir. Là, c'est ton fils, mais là, c'est Obama. Pourquoi ce qu'on fait à la maison, là? Fais ce que c'est ici. Il doit dire ce que tu me fais. Donc, c'est qu'on fait à la maison, là. Si lui, il dit ce que tu fais à la maison, ça peut être bon. Ouais, non, il dit j'ai pris. Je suis là. Ah, Hayete, pardon, bébé. Je suis là. Alors, Mr. Reda, voilà. C'est un plaisir pour nous de recevoir quelqu'un d'immense comme vous. Merci. Vous êtes dans stylisme d'événements. Ouais. Voilà. Donc, vous faites la décoration. Mm-hmm. Ensuite, il habille. J'habille, l'organisation. Mm-hmm. Il organise des mariages, des events. Madame est en train de dire oui. En fait, c'est tout l'événement de A à Z. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes ce qu'on appelle en anglais entertainer. Le mot est trop. Non, le mot est trop. Entertainer.
tu fais les papos, mais tu n'as pas les vrais papos à mon micro. C'est que moi, mon fils est venu, mais elle sait qu'elle est la fille de Zongo au ciel. La fille de Zongo, si tu la vois, elle la tumba quelque chose. La fille de Zongo, elle applaudit pour elle. Tu peux arriver par devant et puis te retourner pour aller par derrière. Voilà! Voilà, c'est sa fille, vraie, vraie. C'est pas fort, fort, fort. Vous êtes ton micro, s'il te plaît, chérie, pour la fille. Bien, voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Votre bien, nom, merci. S'il vous plaît. Ruth de Gaulle. C'est qui le monsieur pour vous? C'est mon père. Ah, vous avez vu, non? Résume à Yasmine un peu. Hein. Ah, résume à Yasmine. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit quelque part. Okay. Merci beaucoup. On reçoit, oui, quand même, on a les bonnes machines qui font les bonnes choses. Top. Hey, toi, tu veux quitter le plateau? C'est quoi tes top ici là? Zongo, il aime pas non, la rivalité. Mais elle a une bonne machine. Il faut. Elle a une bonne machine qui fait le bon travail. Bon, attends, je vais poser une question à Obams maintenant. Obams. Obams. Oui. On est arrivé chez toi. Merci, Obi. Comment tu as eu l'inspiration de Chingom dans tes rêves? Moi, j'écoute le morceau là quand je dis ah, le gars là, il a mangé quoi? Il a dormi où pour avoir inspiration quoi? Donc, dis-nous quelque chose. Chingom dans les reins. Ok. Ça vient. Bon, mon vieux Zongo, voilà. Comme on a dit, bon, moi, mes concepts, c'est inspiration de Dieu. J'étais calé un jour, j'étais où ça même? J'étais à Bruxelles, à Bruxelles. Ah bon? Donc, pendant une tournée européenne, je peux choquer un peu? Oui, tu... vas-y, choque. Je peux, venez pour ça même. Pendant une tournée européenne, oui, là, ouais. Je suis calé, je vois un peu, je visionne un peu sur les pages Facebook, TikTok. Ouais, je vois un peu sur Facebook, je vois que c'est un peu triste, de toute façon, les Ivoiriens, ils tournent, ils sont là-bas. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Que pourrais-je tu faire? Oui. Voilà, que pourrais-je? Que pourrais-je tu faire par là? Que pourrais-je tu faire par là? Et donc, tu as vu que non, allez là, il faut que je l'envoie un peu de chewing-gum dans l'air hein, pour stabiliser les choses. Effectivement. Et? Donc là, je réfléchis, il y a un beat là, on m'envoie, et puis tu tapes, c'est pas dit. Chewing-gum dans l'air. Mais bien, on va pas terrain. Allez, on va pas terrain, lui. Attends. Non, j'ai porté Boubou. Quand on porte Boubou, on ne voit pas rien. Il y a un gars qui est parti dans une soirée, il a porté Boubou. Puis il est là. Nous, on pense qu'il est arrêté, il transpire. Déjà, il est en train de faire générer en bas. Ok. En tout cas, bravo, 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 bravo. C'était super top. Voilà, c'était super top. Ici, les enfants ont aimé. Ouais. Ils ont dansé partout. Je pense que toi-même, tu as vu. Et je pense que là, on va lui dire... On va... Habituellement, on faisait écho de vacances. Vacances. Maintenant que vacances is finished. Yes. And we are parting pour de rentrer. Yes. Now we are going to do écho de... Rentrer. Rentrer. Alors, plus l'écho des vacances, puisque nous sommes à la fin de cette très belle émission. Nous allons faire l'écho de rentrée aujourd'hui. Pour cet écho de rentrée, la première nouvelle, c'est que vous avez le retour de Showbiz. Et Karina Style. Et je vous passe le mot, Karina, hey yeah. Karina, oh, oh. Voilà, vous pouvez, depuis chez vous, c'est ça que vous êtes en train de crier, c'est nous, oh. Lou. Oh. Voilà. Et ensuite, pour la deuxième émission de rentrée, devinez quoi? Nous avons les femmes d'ici. Troisième saison avec Kadi Touré, Aurélie Eliam, Julia Soro et Yachou Ladur. Voilà, et puis nous avons d'autres émissions qui vont s'ajouter. Nous avons la télé d'ici même, qui sera présente avec Monsieur Cheikh Ivan. Bonjour Cheikh Ivan. Hein, son
on est fin, ses pieds bien arqués. Et vous avez Sonia la belle, mannequin, à côté de Glisso. Est-ce que c'est Glisso? Glisse chicance. Et puis en vérité, c'est que ma main est sur la liste et je ne trouve rien, donc je suis en train de dire des choses qui ne sont pas très correctes. Mais il y a aussi l'émission de sport. Nous avons NCI Sport aussi qui vient de se rajouter au programme. NCI Sport que vous allez apprécier, qui sera présenté par un grand présentateur, un grand animateur. Et puis bien sûr, à partir du mois d'octobre, vous avez l'émission que tout le monde aime, Ici on s'en jaille, wow. Animée par la grande... C'est bon, c'est parfait. C'est super content. C'était Yachou dans le... Alors, Mehdi. Enfin, il y a ma soie tranquille. Attends, parle à ton fils un peu aussi. Hein? Elle est vacances. Mehdi, on a vu qu'il y a un single qui est sorti déjà. Exactement. C'est quoi la suite? On va tout doucement évoluer. Okay. On va sortir d'autres singles. Okay. Et après, pourquoi pas faire un album pour pouvoir... Un deuxième, un troisième, en fonction de l'évolution. Et on verra, mais j'aspire une... Est-ce que ce ne serait pas papa qui produit l'album? Parce qu'il dentille, on a dit, il est producteur aussi. Ou bien, toi, il ne te produit pas, il produit les gens ailleurs. Alors, là, non, la petite anecdote. Quand j'ai démarré, je voulais faire de la musique. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, c'est des conneries. Je lui dis, comment ça? Il me dit non mais tu sais il y a combien d'artistes qui veulent faire ça. Je lui dis oui mais moi je sais ce que je vaux. Bon laisse-moi essayer et si tu aimes le produit, eh ben on marche ensemble et on y va. Il m'a dit ok. J'ai fait. Merci. Je fais Poison. Je fais le single Poison. Et le son n'était même pas encore masterisé, rien, c'était juste mixé. Il n'y avait rien du tout. Je lui envoie le son. Une semaine après, il me dit, mais ton son là, c'est bon, hein? Quand papa est d'accord, c'est que c'est bon. Ah bon? Quand papa est d'accord, c'est que c'est bon. Si papa est d'accord, c'est que c'est bon. Bravo Mehdi, super. Alors, maintenant, voilà ce qui va se passer. Venez, venez, venez. Paula, tu viens. Yachou, come you. Right. I'm yes. Still my comment star. Non, non. Toi, tu restes. Si toi, tu viens, ça va être compliqué. C'est my friend's time. I still maneuver. Now, yes. Yeah. You have to regarder tout droit devant vous. Oh, and choose right. Because la rubrique qui vient yes. Maintenant, okay. Que yeah. Vous allez présenter, yeah. S'appelle... Okay. Yeah. Voilà. Ah ben, voilà. Ça prend... Donc, je vais chercher l'invité okay. Et puis vous le présenter okay. Et puis la caméra vous filme. Okay. Tu m'en parles. Yeah, yeah, yeah. Okay. Let's okay. Go, Copain. Business to Kirpin and Slime. Amis téléspectateurs de la télévacances, nous avons un artiste et pas des moindres. Pas des moindres. Un talentueux. Un talentueux. En même temps, il est humoriste. Il est humoriste. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire de la chanson. De la chanson. Et oui, c'est pas la petite chanson. C'est pas la petite chanson. Mais le refrain reste dans la tête. Ça reste. Il s'appelle Daddy Zongo. Tu vas chanter maintenant. Jingle zanga zanga zanga. On se lève. Le son n'est pas dans le studio. Daddy Zongo. Si le mal est dans le tango, viens dans mon Christo, oui, y'a pas de cadeau. Si le mal est dans le tango, viens dans mon Christo, oui, y'a que des banco. Comme les enfants de tous les ghettos, on a jamais aimé les yeux de cadeau. Comme les enfants du Congo, ils nous demandent aussi de faire le cargo. Dans la politique, viens dans son manteau. On voit les militaires qui sont dans le bango, mais c'est le jeu de Soutara. Mazara, la commandante, il est là-haut. Daddy Zongo. Daddy.
Adja, ma femme veut partir. Tu as chanté, ça ne m'arrange plus. De toute façon, les filles ont crié qu'elles se sont abaissées. Mais le son là n'est même pas encore sorti. C'est ce soir. Ma baisse, mon rein, c'est bloc. Elles se sont abaissées, montées, abaissées. Viens, 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 viens d'abord. Viens, 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 viens. Mon viens, fils, viens qui ici. T'a inspiré pour chanter là? C'est qui t'a inspiré? Il faut répondre, pardon. Vas-y, elle va là-bas pleurer. Qui t'a inspiré? Tu vas pas pleurer. Viens, viens. On applaudit pour mon épouse. Seigneur. Seigneur. Eh, hey, Seigneur. J'ai jamais voulu ça dans ma vie. Parce que les bagages soient descendus chez moi. On descend ici. Ouais. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Hein? Faut plus chanter, bébé. Va dans ta famille maternelle, j'arrive. D'accord. Effectivement, public, le morceau que vous venez d'écouter est une exclusivité. Ça sort ce soir, vendredi soir, à minuit. Allez-y, téléchargez, partagez. On va danser. Mais Daddy Zongo. Et heureusement que Mam c'était là. Vous savez comment Obama s'est dansé? On a des chanteurs sur le plateau. Oui, Zongo. Qu'est-ce que vous avez, pensé du son? Oui, tu es fort, tu es fort. Le premier couplet, pas compris. C'est Jean-Marie Zongo. C'est le mariage Zongo, venez dans mon ghetto où il n'y a pas de cadeau. C'est le mariage Zongo, venez dans mon ghetto où il n'y a que des bancos. Comme les enfants de tout le ghetto, nous on n'a jamais, jamais reçu de cadeau. Comme les enfants du Congo, si je vous demande aussi de faire des cadeaux. Coup de fil. Oui. Parce qu'elle connaît tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais elle, en tout cas, elle connaît tout le monde. Tout le monde le connaît. Même M. Fawaz, avant qu'il arrive ici, elle disait, mais je le connais. Mais oui. On a fait des choses ensemble. C'est mon ami personnel. Quand j'ai dit, Médier, mais je le connais. Quand j'ai dit, Obama, dit, oh non, quand même, Obama. C'était un petit peu. Alors, petit. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le papo de... Salut!
Alors, c'est le dernier papo des vacances aujourd'hui. Et vous allez tellement me manquer. Parler de la vie des gens, avoir le droit de parler de la vie des gens et être payé pour ça, franchement, ça va me manquer. Ça va? Hé, hey, maman! Attends. Pour là aussi, c'est pantalon de... Attends, viens, non, on peut pas laisser ça, quoi. Salut, non, aujourd'hui, où on finit là? C'est là que tu mets goût dans la bouche déjà. Non. Tous mes contacts sont logés dans mon pantalon. Voilà. Yeri, est-ce que dans le pantalon, il n'y a pas espace vert? Viens, on construit et puis on laisse espace. On construit. Il n'y en a pas foutu. Yeri, est-ce que ça, là, ça ressemble à un couturier de eau et forêt qui a fait ça? Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Paula? J'ai rangé tous mes contacts dans mon pantalon, c'est pour ça qu'il est bien grand, parce que j'ai beaucoup de contacts. Ouais, tout le long de la saison, je vous ai dit, Oba, c'est un petit du quartier. Oui, on mangeait Gabon ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est toi qui mettais une... Mon frère! Mehdi. Mais on allait au studio ensemble, c'est moi qui donne le goût de la musique. Tu m'avais filmé un peu, j'ai... Non, mais je te dis, mon frère. Une star de reconnaître que j'étais la base de leur succès. Elle joue bien à la batterie. On sait pas. Je suis un. Là où on t'a lancé là. Lui aussi, je sais que. En fait, les fleurs qu'il faisait, c'est moi qui coupais les tiges des fleurs là pour qu'ils puissent bien assembler. Oui. On les a cultivés au jardin. On les a cultivés dans le petit jardin, le petit espace. Voilà, juste le petit derrière. Je vous dis que j'ai les relations dans ce pays. Alors, allons-y pour aujourd'hui. Toute la saison, je vous ai dit que j'avais des relations. Quand je vous dis j'appelle, un coup j'entends. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis j'appelle les gens, vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, c'est une de l'épreuve de mes relations avec les gens. J'ai fait des photos à des moments précis quand j'étais avec les stars. Arrêtez de rire, je suis dans mon sérieux. Élément, s'il vous plaît. La première photo. Suspense. La première photo. Oui. Là, j'étais avec Taeke. Juste après son concert à Abidjan, où il est monté sur scène, je vous ai dit que je suis allé le voir, je l'ai appelé pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Quand il a fini de me donner les informations, il m'a dit pour l'avion, on fait une photo. J'ai dit non, j'ai pas très envie, tu sais. Il m'a dit non, j'insiste. On a fait la photo. Deuxième élément. Faites ça vite, hein, parce que vous savez, j'ai pas trop le temps. Ici, j'étais avec l'élu de Dieu, Kérosène. Je vous dis que dans ce pays, j'ai des relations. Il devait partir parce que bientôt il a son concert au Bataclan. Tu nous c'est ça. Voilà, donc il m'a appelé, il m'a dit pour là, j'ai besoin de toi pour d'avoir ton expertise parce que je sais que tu as beaucoup de coups de fil. Je vais. Non, il a besoin de pas appeler le public. Et puis voilà, j'ai besoin que grâce à toi, le public puisse venir remplir le Bataclan. J'ai dit, mon frère, j'arrive. On a pris la photo. Alors, au suivant. Photo suivante. Ah oui, ça, c'est quand S. Bloom, le Seigneur des Anneaux. Mon frère,
quand j'ai entendu le avec les histoires de Diana, de Coco, j'ai dit, moi, mon frère, je sais qu'il est, c'est un du Saint-Esprit. Voilà. C'est quelqu'un, il est bien. Je vais aller le voir, il va m'expliquer. Quand je vais aller le voir, il m'a expliqué, il m'a convaincu, je sais qu'il n'a rien fait. Il a dit, viens, on fait la photo. J'ai dit, mon frère, faisons la photo. Il t'a pas donné à nous aussi, hein? Moi, c'est collier, il m'a donné. Ah, d'accord, ok. Ici, je t'avais dit, t'es trop pas. Didi! Il me disait. Il était fâché avec toi? Non, il me disait. Attendez, je vais vous expliquer, c'est mélangé, mélangé. Un coup, j'attends. J'attends. Ton père veut vendre sa maison. Je suis allé chez lui. Il a dit, mon frère, on dit que tu veux vendre la maison. Non, il me disait, il a fait ça. Ah, pour t'es là. Sûr. Il a dit, il a fait ça, il a fait ça. Non, 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 tu es sûr? Mais tu peux douter de moi, ta soeur? Non, on ne doute pas de toi, mais c'est de la photo là que. Bon, enfin. C'est la photo là qui nous fait. Bon. Vous savez, dans la vie, il y a des photos qui réussissent, il y a des photos qui échouent. Ça là, ça a échoué. Ça là, ça a pu. Ça peut être échoué, mais en tout cas, c'est ma tête ou c'est pas ma tête? Je dis que c'était un drôle, vous vous dites quoi? La photo suivante. Photo suivante. Faites vite, je n'ai pas le temps. Oh là oh là là! Leonardo DiCaprio! Mais pourquoi on a l'impression? Ils ont coupé, coupé. Pourquoi on a l'impression? Que toi, on t'a attrapé, puis on t'a jeté, petit de là. Je t'explique. Je t'explique. T'explique. Tu sais, moi. En une journée, je dois remporter et rencontrer beaucoup de personnes. Mmh. Donc, je déploie mes ailes. Mmh. Quand j'ai mon jet privé qui arrive, j'arrive, je fais ça. Je fais ça. Donc, j'ai pas souvent le temps de me positionner pour faire la photo. Elle est là, mais c'est pas lui qui voulait faire la photo avec toi. Si, il a beaucoup insisté. Ouais, ouais. Donc, j'ai dit, Léonard, viens, on fait la photo. Voici la photo. Oh, ça, c'est avec Paul Pogba. Il m'a fait un bisou. J'avais grossi ici là-dedans. Ah, non, c'est ta chiffre, ça. C'était, non, c'était pendant la période du chef du corona. On était beaucoup confinés, on faisait du télétravail. Ah, tu mangeais beaucoup. Oui. Voilà, je mangeais beaucoup. Quand il y a eu le problème avec son frère là, comment il s'appelle, Mathias, je sais plus. Oh là là, j'ai oublié. Le problème avec son frère là, c'est avant corona ou après corona? Non, je t'explique. Ah, je t'explique. T'explique. Le truc c'est que ça c'était avant le corona. Maintenant quand je suis allée voir le voir pour le truc quand même ça même. Surtout avec son frère, j'ai pas eu le temps de faire les photos. On a fait une vidéo, mais ça va c'est trop long. Je lui ai dit, il y a Mehdi sur le plateau, Mehdi lui-même, là, il n'a pas encore fini de faire une vidéo. Il dit, pourquoi moi, je toi ta vidéo? Là, t'es qui? Voilà, Mehdi, mais là. Bon. C'était sur le stand. La démarche, elle arrive. Yeli. Demain. La photo suivante. Demain, quand ceux-là seront des stars, vous allez dire que je ne les connais pas. Faites photo en même temps. Tu peux dire, j'ai Ayana Kamura sans moi là-bas. Tu m'avais promis. Ici, c'est avec Ayana Kamura. Non. Ayana Kamura, la Jaja. Elle voulait faire une photo, j'étais assise un peu, je disais, ah mais tiens, toi, tu t'es disputé avec ton mari, moi j'ai pas trop envie d'avoir les gens comme ça. Y'a quoi? Non, tu aimes bien la tenue là, tu aimes bien ça. Hein? La tenue là, tu aimes bien ça. La tenue là, t'es plein. Non, ça s'est fait. Attends, ça va, viens boire l'eau. Attendez, c'est ma chronique ou mais c'est votre chronique? Non, c'est ta chronique. C'est moi, je vous explique ou mais c'est moi, je vous explique? Non, ça va, pas là, faut pas. Écoute, j'attends. Hey. Je vous explique le truc avec Ayana Kamura. Non. Quand j'ai fini avec Kérosène, il fallait que j'aille voir Ayana Kamura parce qu'elle pleurait. Elle m'a dit, Paula, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai dit, mais je sais, Kérosène a dit non, viens. Parce que Vladimir est en train de me fatiguer. Vladimir, c'est son mari. J'ai dit, bon, ok, j'arrive. Quand je suis arrivée, j'ai d'abord c'était une petite robe sexy. J'ai dit, mais Aya, comment tu peux te mettre une robe sexy comme ça? Et puis tu fais photo avec moi. Moi, je suis, tu vois, non, je suis pas à l'aise, quoi. Non, elle m'a dit, non, mais viens. Non, je suis partie même avec le panneau même de la télé d'ici vacances. Non, c'est ça que vous voyez le panneau. Le panneau de la télé d'ici vacances pour dire que je suis venu dans cette émission. Ouais. Oula. Hein? Mon fils dit oula. 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 Jairio. Oula. Jairio. Oula. 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 Pardon. Il y a une chose qui ne peut pas marcher. On a trop dit vous, vous. On a trop dit il a appelé. Mais là, on est découragé. Oula. On est découragé la donne. Parce que photo n'est qu'à coup de tigre qu'à placer. On va à la... Oui.
vacances, nous sommes avec Obams. Il est là, il est frais, il est mignon, il s'appelle Mehdi. C'est le vieux père qui touche à tous les événements, que ce soit mariage, sauf divorce, il est là avec nous, Mr. Vera. Alors, on va assister à un défilé. Oui. Un défilé de Monsieur Reda. Ouais. Les mannequins sont prêts. Le public, vous allez regarder et acclamer et applaudir et ovationner et taper les mains en fonction de votre quartier. D'accord. Il y a les quartiers où on acclame, il y a là où on ovationne. Il y a là où on tape les mains. Parce que si tu as dit ovationner, personne ne va comprendre. Allez, mesdames et messieurs, sous la musique, Adjoa, envoie la musique du défilé. Attention à la marche. Attention à la marche. Attention à la marche. Voilà. Ah, elle pourra chérir. Elle pourra chérir. Attention à la marche. Approchez, venez. Venez, s'il vous plaît. Hein. Attendez hein, que j'installe hein, la. Oui. Alors, je vais de la droite vers la gauche. Et puis, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est comme modèle ici. Alors, c'est une robe voluptueuse. Bon, attends, elle va avancer en même temps. Alors, c'est une robe voluptueuse, c'est une robe de soir, mais oui. dans une tendance, en fait, c'est très tendance, mais on a un côté très sexy. Si vous voyez, okay. Ouais. C'est transparent. On l'ovationne. La suivante. Pareil, c'est une robe aussi sexy, mais qui peut être aussi une robe de gala, mais dès qu'elle rentre dans le gala, elle ouvre, c'est-à-dire elle ferme. Ouh. Voilà, et elle l'ouvre. Oh, c'est l'ouverture la même. Hey. Ah. Voilà. Maintenant, l'homme. S'abstenir. L'homme. Alors, l'homme. Alors, on va dire l'homme dans assez classe, mais ouais. Dans une tendance assez moderne. Moderne, voilà. Ouais. L'homme moderne. La mariée. Également. Chérie. Le nœud là, le nœud c'est fait exprès. Voilà, il faut juste l'ajuster, voilà, d'accord. C'est tout. Ah, okay. Alors, et pour en chérir. Et pour en chérir. On renchérit avec la mariée. Okay. Là, c'est pour surenchérir. C'est la robe de mariée. Voilà. On va dire dans sa simplicité. Je ne l'ai même pas reconnu en fait. Ah ouais? Ah ouais? Je ne l'ai pas reconnu. Vous vous rappelez d'elle? Et pour Angérie. Également. Et pour Angérie. Ah, oh, super. Oh, robe de mariée. Attention very à la marche. Nice. Oui. The next one. Attention à la marche. Viens ici. Viens là.
tourne, fais un grand tour et puis tu alors là, là, on a la robe de soie dans son élégance, on va robe dire. Robe de soie. Mais avec un côté tout transparent et sexy. Elle sur le côté hein du buste. Mmh. Voilà. Donc, très élégante. Il wow y a les matières. On tape sont... ta porte à 22h, tu ouvres. C'est un exemple. Oh, c'est la préférée des Zongo. Oh, oh là là. Alors c'est une côté, c'est une robe asymétrique. Si vous regardez ici, un peu. Voilà, c'est une robe asymétrique. Sur le côté, on va dire droite, elle est toute transparence, mais sur l'autre côté, elle est, c'est une avancez robe un uniforme. Peu, avancez voilà un peu légèrement. Donc voilà, un côté ouais transparent. Donc maman, c'est, en fait, c'est une robe qui se porte sans sous-vêtements. Hein. Oui, Mehdi. Âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, ça. Bon, la suivante. Alors, ça, c'est la robe, on va dire, cocktail. La robe, une robe, on va dire, de mariée, mais une deuxième avancez robe. Un petit peu, mais tout en dentelle. Avancez un peu, légèrement. Voilà. Tout en dentelle incrustée avec des manches qui sont très tendance aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, donc on a la beauté de la matière sur cette robe. Voilà. Attention, et lui, non, lui évidemment, il a fait malin. C'est le présentateur original de 20h. Alors, on va dire c'est évidemment le smoking, le smoking classique d'un marié. Mm-hmm. Et ça fait partie voilà, de l'élégance de l'homme le jour de son mariage. Ouais. La collection a un nom. Alors c'est une collection haute couture. C'est-à-dire j'ai pioché un peu de toutes mes collections parce qu'il y en a plusieurs. La première, c'est elle part de la collection, on va dire, transparence. Mm-hmm. La deuxième, la collection tendance. Mm-hmm. Troisième, les deux robes roses et vert sont la collection volupté. Oui. Le monsieur, en fait, le mannequin, là, c'est la collection l'homme. Mm-hmm. Et là, on va dire sur les collections mariage. OK. Voilà. Mr. Rena, merci beaucoup. Alors, si je peux, préciser quelque chose, oui, la robe de mariée, si vous regardez le voile, c'est ça que je regarde depuis. Il y a 2000 pierres de Swarovski qui sont travaillées sur le voile. Wow. Il y a 2000. Magnifique. Wow. Wow. C'est ça que je regardais depuis. Ah non, mais ça, c'est le haut niveau, laisse tomber. On peut faire ça, salopette aussi. Oui, bien sûr. Salopette, hein. Ça, il faut 5000 pierres. Ouais, on peut en faire un salopette. Mais c'est lui qui m'a mis, hein. Mais ça, il faut 5000 pierres, quoi. Des c'est lui qui m'a mis. Maintenant, je dis, il y a une question que Obama voulait poser, mais que je vais poser à sa place. Vas-y. Quand c'est quoi, là, Jean le prix. Mais pourquoi tu as on dit pas ça en public. Non, pourquoi pas. Alors, il faut savoir que nous travaillons sur les budgets. Il faut savoir que quelqu'un qui est créateur vend une matière. Okay. Donc, la matière peut être très chère. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai une robe de mariée. Elle est toute en cristal de Swarovski. Mm-hmm. Le Swarovski est très cher, mais on peut la faire avec des strass. Donc, elle revient moins chère. Okay. Donc, voilà. Et on vend la matière et pas forcément la création. C'est vrai qu'on est créateur, mais il y a de la matière. Voilà. Non, il n'a pas dit, mais on va arriver là-bas. Également. Et pour enchérir. Voilà, et pour enchérir. Mais Zongo, tu n'as pas demandé si ma fille et moi on peut porter. C'est pas nous, on a voilà pitié, là, viens, 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 viens. De Gaulle, viens. C'est bon, pas être ici, là, gros. Viens, joue, viens, viens. On est grosse, donc on fait comment? Ah, putain. Bon. Comment c'est dans tout le groupe là, oui. Alors attention que j'ai beaucoup de clientes de ces formes là. Ah, d'accord. Hey, ces formes comment chérie, il faut les appuyer. Les belles formes. Ah, la belle forme. Les formes généreuses. Hein? Attends, nous sommes montés. La forme de femme, attention, on faut pas défiler. Taille. Attention, attention. La pause, la pause, la pause. Ouais. Et les appuyer ne veulent pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Regardez vos places. On les ovations très fort. Également, les grands chéris. Oh.
Dans cette émission-là, il y a les enfants aussi, même s'il y a les vieux, il y a quand même des enfants aussi. Oui, les enfants qui dansent. Et des enfants qui donnent l'énergie à l'émission. C'est le moment d'aller dans les enfants là. L'enfant là danse, oh, il danse, il danse, oh, il danse. Alors, Yachou. Oui. Tu disais. Alors, je disais que pour la finale de la catégorie enfant, et je me permets d'enlever mon foulard parce que c'est chaud. Oui. C'est vraiment chaud. Je vais appeler la première candidate qui est Wenponga Moye Bérénice, 10 ans en classe de 6e. Voilà. Elle fait ses pas. Merci. Deuxième candidate, Guessant Marilyn, 10 ans en classe de 6e. Voilà. Et je vais appeler Obams, qui va se mettre entre les deux finalistes. Et donner le nom du gagnant. Et Obams, on va faire un jeu de mots ensemble. Prends place, juste au milieu. Une finaliste à droite et une à gauche. Voilà. Et l'heureuse gagnante de cette catégorie enfant est... Marilyn Nguesson. Bravo, oui. Bravo, bravo, bravo. Voilà, merci aux finalistes, vous pouvez vous mettre de côté. Asseyez-vous, voilà. Nous allons maintenant dans la catégorie ado. Et pour cette catégorie ado, nous avons vu des candidats qui se sont donnés à fond dans, dans ce jeu. Hein? On a vu des danseurs de Valetoscope même. Oui, on a vu des danseurs de Bébé, on a vu... Les danseurs dans la salle de bain, on a vu les danseurs... Oui, le petit même qui a envoyé une vidéo et puis il dansait dans la douche là-haut. Bon, continue. Elle est carreau, marron, marron. Ta vie, elle descend ma carreau de douche là. Oui, c'est ça. Alors, premier candidat pour cette catégorie ado, j'appelle maintenant Kwadio Grass. Ah, Kwadio Grass, ton keba. Gouden, gouden. Et nous allons maintenant appeler la deuxième candidate qui sera face à elle pour cette finale. Ça sera Akabla Grasse Bénédicte. Voici nos deux finalistes qui sont présentes et... C'est tu vas gagner, ça va chauffer. Tu vas gagner et ça va chauffer. Tu vas gagner. Alors, on va faire silence dans la salle parce que pour cette catégorie ado, c'est pas facile, ça n'a pas été facile comme tu le sais. Et celle-là même, qui a bougé son corps, qui a fait une chorégraphie, qui n'a pas dormi toute la nuit, mais aujourd'hui, qui va gagner. Pour cette catégorie ado, la gagnante est... Akabla Bérénice. Se lever la vie sur toi avec peau, ça s'est cassé. On va nous installer maintenant. Tu sais que nous avons une belle surprise pour cette fin de saison. Nous avons choisi Obams parce que sa chanson a été beaucoup jouée par les enfants. Oui, oui. Et donc, nous allons appeler les quatre candidates qui étaient présentes avec, bien sûr, les deux finalistes, les deux... Oui. Les finalistes et les gagnantes. De pouvoir leur faire le pas de chewing-gum dans les rêves parce qu'on a eu ça tout au long de cette saison, franchement. Voilà. Pas de souci. Alors, on applaudit pour Obama, s'il va mettre. Obama, c'est au milieu de vous. Venez, venez, venez ici. Les gagnantes. Voilà. Donc, Obama sera là. Et vous allez danser. Ra, 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 ra. Suivez bien, suivez bien. Ré,
Comment vous voyez toute cette ambiance avec les enfants et tout ça? C'est magnifique, c'est top. C'est top, c'est magnifique. Oui. C'est vraiment les vacances et la fin des vacances. C'est ça, la fin des vacances. Alors, moi, je vais demander à Mehdi, est-ce que tu serais prêt dans ton prochain clip à prendre ses finalistes? Pourquoi pas? Voilà, donc voilà. Pourquoi pas? On a un clip pour la petite fille. Pourquoi pas? Bon clip, le clip de Mehdi. La question revient à Obama. Voilà. C'est quelle question, là? Voilà. Nous, on a décidé ici à NCI, la gagnante là, de payer sa scolarité. Maintenant, comme c'est ta chanson qu'elle a pensée, la mienne, et puis elle a gagné, pendant que tu es là, le clip sera déjà passé. Maintenant, c'est qui vient devant. Que t'en nous promet de ça? Yeah. Quand même, ou bien les gars, on est d'accord, non? La gagnante doit danser dans le prochain clip de Bams. C'est ça qui est normal. C'est vrai. Voilà, ok, d'accord. Donc, on met ça entre parenthèses, on va revenir dessus. Oui, Doudoumba a quelque chose pour nous, s'il vous plaît, Doudoumba. Est-ce qu'on peut avoir ça maintenant? Doudoumba le plus fort. Doudoumba le plus fort. Doudoumba, ta mère qui fait mal, pardon. Doudoumba, ta mère qui fait mal, pardon. Attention, est-ce que c'est bien positionné? Pardon. Voilà. Merci beaucoup. On peut avoir la deuxième, qu'on envoie à mon niveau ici, s'il vous plaît. Vraiment, mais moi, j'ai une question à poser encore avec à Obams. Mm-hmm. Obams, un moment, on a entendu un frou-frou entre Obams et sa production. Oh!
Fantagbe. Jérémy Mousseau. Fantagbe. Fantagbe. Allez, Fantagbe. Fantagbe. Ouais. Jérémy Mousseau. Jérémy Mousseau. Et c'est le cadeau de Doudoumba. Doudoumba. Doudoumba qui est là, que vous allez ovationner très fort. Doudoumba. Doudoumba, ça là on a vu. Nous tous on sait que c'est la première dame. Mmh, voilà, Fantagbe, votre maman nationale. Les cheveux ont l'air tellement réels. C'est bien réussi. Ouais. Merci beaucoup. On le passionne encore Doudoumba. Mais Doudoumba, ce qu'on ne peut pas expliquer à ta place, c'est la sculpture qui est là-bas là. Ouais. Okay. C'est qui est là-bas là? C'est quoi? Bon. La sculpture, quand vous la regardez, ça fait penser à un être hybride. C'est-à-dire mi-homme, mi-animal. Mmh. Voilà. C'est pas vampire. Hein. Non, non, tout sauf ça. Ah, mais si, hein, et quand vous regardez, tout ça, c'est de l'assemblage. Voilà. Mmh. C'est des morceaux de bois qui ont été assemblés. Arrête-toi, des bois sur des bois, des morceaux sur des morceaux. Et la technique que j'utilise, on appelle cette technique-là la technique de la cheville. C'est-à-dire quoi? C'est avec une perceuse, je perce des baguettes, de la colle à bois. Mm-hmm. Parce que, en fait, le bois ne collabore pas avec une autre matière qui est différente d'elle. Si vous mettez de l'acier dans du bois, avec le temps, l'acier va rouiller le bois. Donumao, j'ai dit, le truc-là, c'est quoi? Bon, comme je le disais, c'est un djinn quoi. C'est mi-homme, mi-animal. Mi-animal. Mais quand vous regardez, ça fait plus penser à extraterrestre. À un coq. Hein? Regardez bien la structure. À génie. Ça fait plus Monsieur Reda voulait dire quelque chose. Que ça fait penser à un extraterrestre, par exemple. Voilà. En fait, dans la sculpture, on laisse le libre arbitre à chacun. Enfin, chacun a son, de se fait sa voir, propre imagination. De... Oui, oui, là. Doudoumba. Là, monsieur, je ne dis pas. Bon. Quand il a dit que ma perruque blonde avait perdu, là, elle a Doudoumba pour parler coller là-bas. Ma perruque blonde, il a parlé, c'est dit que moi, il y a ma cuisine. Doudoumba offre la structure que vous voyez, il faut que j'aille à côté de la structure, c'est une belle structure. Doudoumba offre cette structure qui fait au moins 1m60. Il offre ça à NCI. Oh. Merci beaucoup, Doudoumba. Monsieur Reda. Et le portrait, hein? Le portrait. Le portrait aussi. Attends, attends, j'arrive. Attends. Voilà. Aïe. Attendez. Ça, c'est notre maman. Donc, maman, on en parle à la maison. Tout à l'heure. Là, on revient dessus. À la maison. Elle surveille, elle nous surveille. Mon frère, tu t'assois pas, hein? Tu restes comme ça. Attends. Alors, je posais une question à Obams. Obams, il y avait un problème, on a entendu. Sur les réseaux sociaux, un problème entre toi et ton producteur. C'est pas la production, ton producteur ou même tes producteurs. On veut savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre? Bon, je pourrais dire, aujourd'hui, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de soucis. D'accord. Mais seulement que les deux parties se sont séparées dans le papier, quoi. Donc, je fais l'autoproduit, je me produis maintenant, tranquille, au calme. D'accord. Obams, est-ce que... C'est une question bizarre, hein? C'est une question que les gens se posent. Par semaine, tu peux faire combien de gombo? Par semaine. Par semaine. Genre, si tu n'as pas trop, si tu n'as pas trop bougé, quoi, par semaine, quand tu peux, au moins combien de shows? 25. Bon. Non. Moi, c'est affaire des salopettes là, même. Là. Semaine. Moi, c'est affaire des salopettes là, il voulait demander. Mais les salopettes là, tu voulais faire quoi? Je sais pas, tous les jours, il est en salopette. Je sais pas d'où ça lui vient, ça. Il dit, c'est son un Jean. Bon, c'est pas toujours, mais Joe. La majorité. C'est un moment, ça me plaît, Joe. Donc, il me met bien. C'est important. C'est que c'est joli, en tout cas. Merci bien. D'accord. Oui, je reviens parce que c'est le moment de faire le tour de table. Tu prépares un truc maintenant. On a eu beaucoup de singles. Est-ce qu'il y a un album qui vient? Il y a un album qui vient, mais ça sera l'année prochaine, okay. Pendant que je prépare mon concert en décembre. D'accord. Oh. Alors, juste à côté de toi, Mehdi,
Yes. Le son est sorti, c'est Poison. Il est sorti depuis 3 semaines. Mon ami, tu tombes pas, tu restes debout, s'il te plaît. Voilà. Viens ici, viens. Viens ici, viens, viens ici, viens, viens, viens. Regarde l'esclavage, voilà, c'est quoi ça? Ah, il va le laisser toi aussi. Non, il n'a qu'à rester là. Et à fond, soulève un peu, soulève un peu. Va l'aider, va l'aider. Voilà, vous pouvez vous changer de temps en temps. Merci toi. Mehdi, je parle à Mehdi, s'il vous plaît. Alors, donc, le son, il est sorti il y a 3 semaines. Exactement. Il mousse déjà bien. On vient de le lancer petit à petit. OK. Donc, on essaie de faire la promo. D'accord. Et on verra par la suite ce que ça va donner. Par la suite, comme tu l'as dit au départ, un autre single, des singles, puis un album qui va venir. Un album qui va venir. Mehdi est avec nous ce soir. Au nom du Père et du Fils. Et du Père. De cet esprit. De cet esprit. Alors, Padre. Oui. Mister Reda, vous qui touchez à tout. Aujourd'hui, on est ensemble. Nous sommes contents de vous accueillir dans la clôture de cette saison de Télé d'ici Vacances. Merci. Quand on va se séparer, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets. Mais on peut nous parler un peu de ce qui vient le plus proche possible. D'accord. L'un des plus beaux projets que je viens de réaliser, c'est d'être sur mon fils pour la première fois sur un plateau de télévision. Et ça, je pense que c'est une fierté. Voilà. Oh, c'est trop cool. On les ovations, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Alors, pour mes projets, je suis, étant donné le promoteur du rêve à la réalité, qui est la Fashion Event pour la promotion de la jeunesse, de la mode et de la culture ivoirienne. Donc, je suis sur ce projet depuis 2 ans, j'y travaille dessus. C'est vrai qu'on a eu du retard par rapport au Covid, mais là, vraiment, on travaille dessus pour en faire un magnifique défilé qui s'appelle Du rêve à la réalité, édition 4. Je vais te dire, c'est beau d'avoir son papa à ses côtés. Vous viendrez défiler, non? Bien sûr, mannequin, sans forcer. Il a œuvré pour la Côte d'Ivoire. Il a fait quelque chose de bien. Tu es obligé de faire très bien. Et c'est comme ça. Il m'a toujours enseigné. Il m'a dit, écoute, si tu aimes quelque chose, fais ce que tu as à faire, mais défonce-toi dedans. Oh, that's nice. Alors, ça fait vraiment plaisir, Paula. Nous sommes à l'heure de la grande séparation dans l'espoir de nous retrouver l'année prochaine. Voilà. Merci. Télé d'ici Vacances, c'est la dernière émission. Les amis, vous qui nous avez suivis depuis partout dans le monde, il y en a même qui nous suivent depuis les States, depuis New York et partout. Yes, c'est la dernière. Yachou. En tout cas, moi, je voulais dire merci à NCI, merci, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de vacances, mais on m'a pas forcé. Donc, pour ceux qui disent, oui, mais NCI veut. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai décidé de rester pour les vacances parce que je voulais encore et encore travailler. J'ai été très heureuse de partager ce plateau avec Zongo, qui a été un très bon lead tout au long de cette saison. Aussi avec Paula, vraiment. En tout cas, merci à tous ceux qui sont derrière, qui nous ont soutenus, au public, qui a toujours été là. Tiens ta valise. Voilà. Alors, Paula. Merci à Sonia, monsieur Yves Demela. Vous êtes les meilleurs. Grâce à vous, cette émission a été possible. Et NCI. Voilà. Toi, tu pars déjà au Sénégal. Ouais. Toi, tu pars pour tes tournages. Ouais, je suis actrice de base. J'ai une très, très belle opportunité. J'étais au Sénégal quand on m'a contactée pour venir faire cette émission. Là-même, je repars pour un tournage de 4 mois que vous verrez sans doute sur la chaîne. Et puis, bah voilà, on se retrouvera pour d'autres aventures. Non, pas là, toi, non. Oui, merci. Prenez vos valises et vos passeports. Oui, mon passeport est là. Ouh. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et je vous donne rendez-vous le 29 octobre au Palais de la Culture dans un spectacle inédit de Zongo et Tao. Le spectacle s'appelle Immigration Kabako, les douleurs de l'immigration clandestine. Ceux qui veulent partir en Beng et qui pensent qu'ici, on ne peut pas réussir là. Obama s'est resté ici, il a réussi. Paula est resté ici, elle a réussi. Mehdi est resté ici, il a réussi. Vous pouvez rester ici et réussir. Rendez-vous, Monsieur Reda aussi est resté ici et il a réussi. Boudouba est resté ici, il a réussi. Prenez vos valises et on laisse la place à Obams et son public pour le playback.
finale, le show Obams. Rendez-vous 29 octobre à l'altitude. On va ensemble.